sans nous donner. J'aurai un héritier. Ah bon? Oui. Vraiment? Vraiment, je te le rassure. Comment je sais ça? Parce que Dieu, le Dieu que je prie, il est fidèle. Voilà. Ah, ça, voilà. Donc voilà, je suis désolé. Vous, avec vos pieds, vous êtes vraiment, vraiment fou. Hein. C'est pas grave. Vous êtes vraiment fou. C'est pas grave. C'est vous, non? Vous là qui, à l'église, vous faites parler la langue chaque après. C'est là que c'est quelle langue? C'est un domaine que tu ne maîtrises pas. Je m'attache à toi. Je m'attache à toi. Je m'attache à toi. Tradition, moi je reste voilà dans mon christianisme. Okay, mais moi je prie que tu viens ou encore accepte Jésus là. Quoi? Comment ça? Que tu acceptes Jésus. Non. Parce que c'est le chemin, la vérité, la vie. Petit frère. Non, mais lui aussi il est ma tradition. Bien dans la tradition. Oui. Comment ça? Je vois Jésus. C'est tu le vois où? Moi je le vois. Ça, quelle aberration. Quand je mange le bois sacré, je oh! le vois. Là, je connais pas de quel Jésus tu parles. My God. Donc on prie pour le même Jésus. Non, non, non. Non, jamais. Ah, moi, je suis seulement venu te conseiller. Hein. En tout cas, merci okay. pour le conseil. Ouais. Wow. Je crois que tu as été édifié par mes opinions, par rapport à mon épouse. Oui, oui. Donc voilà. Moi, je suis seulement un peu déçu. Parce que franchement... Mais tu ne seras pas déçu. Tu verras hein, le fruit de mes entrailles. Ça m'énerve. Tu es fidèle. Quand je la vois venir, elle a fait les malins là. Moi, j'aime même la bastonner. Parce que tout ça, c'est gazon. Elle, elle a fait les choses. Oh non, tu mon épouse. Oui, oui, parce qu'elle m'énerve. Elle ne fait pas d'enfants et puis elle marche encore avec les épaules comme les montagnes. Tout ça, m'énerve. Mais c'est parce qu'elle elle est soutenue par son mari. Ah, tu veux qu'elle fasse quoi? Elle fait votre foyer là. Okay. Elle est soutenue par son mari et son mari l'aime. C'est normal. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Seigneur, je suis fatigué de combattre par moi-même. Je suis fatigué, Seigneur, de faire des efforts par moi-même. Seigneur, mais je prie que la fortification qui vient de toi, Seigneur, soit mon partage, je t'en supplie. Jésus, attire-moi bien plus près de toi. Attire-moi bien plus près de toi. Je pense aussi à mon frère. Seigneur, je prie pour toi celui voilà. Mais moi, avec Jacqueline, moi, je ne suis pas... Oui, Jacqueline... Non, je ne comprends pas pourquoi elle est comme une vieille. Oui, oui. Oui, toujours mais... elle est pâle, voilà, elle est comme si elle n'aimait pas... C'est la vraie femme. C'est quelle vraie femme? C'est la vraie femme. Jamais.
Tu es Dieu de la, tu es Dieu de la, vraiment, je ne sais pas. C'est quoi? La vraie femme, vous passez dans une femme celle-là. Ça, mon épouse. Une femme qui n'enfante pas. Dans une femme, ça. Dans quelle femme? Mais qui t'a dit qu'on évalue un mariage en fonction des enfants? Ah, chez nous en Afrique, tu sais que ce sont les enfants qui font le foyer. Ce n'est pas, les, pas la femme. Mais ça, c'est, ça, on t'a menti, non? Non, on ne va pas mentir. C'est la tradition, ce sont les ancêtres. Toi, oh, tu petit frère, c'est compliqué. Tu reviens, tes parents te disent, oh, c'est Dieu qui donne les enfants, c'est Dieu qui donne les enfants. Il descend, il donne les enfants, il donne les enfants. Mais tu verras mes enfants. Oh là là, c'est ça. Non, tu verras mes enfants.